Depuis le mois d'avril, Meghan Markle et le prince Harry ont déménagé à Frogmore Cottage, où ils ont accueilli leur petit Archie. Un rapport officiel publié révèle que le duc et la duchesse de Sussex sont quotidiennement escortés par une vingtaine d'officiers de police, chargés de surveiller les alentours de la bâtisse. Les meubles et la chambre d'Archie sont également passés au peigne fin plusieurs fois par jour. Pour garantir la sécurité du prince, de son épouse et de leur fils, les Britanniques ont dû mettre la fin au portefeuille. Dans le détail, plus de 837 000 euros ont été dépensés pour assurer au quotidien la sécurité de Frogmore Cottage. Une somme qui peut déjà paraître astronomique, mais qui est détachée des 3,3 millions d'euros qui ont été utilisés pour rénover entièrement la demeure, située à quelques pas de Buckingham Palace, où résident Elizabeth II et le prince Philippe. 90% de la note payée par le contribuable dans le détail, pour la rénovation de Frogmore Cottage, le duc et la duchesse de Sussex ont dû dépenser 275 000 euros, auxquels se sont ajoutés près de 3 millions d'euros réclamés aux contribuables britanniques. Cet argent a essentiellement servi au beau mobilier, puisque Meghan et Harry se sont offerts une belle cuisine, un majestueux salon, et, évidemment, une ravissante chambre pour accueillir Archie. On your